Bonjour, le livre que j'ai choisi de partager avec vous s'appelle Tout le monde veut des ailes. Ce roman a été écrit par Laurence Bouvard en 2021. Le livre décrit une amitié entre trois adolescents qui se sont rencontrés virtuellement. L'histoire se déroule dans le temps actuel, les années 2010-2020. Les trois personnages principaux s'appellent Clara, Vincent et Angèle. Ils ont 15 ans et vivent en France. Ils se connaissent à travers un jeu de rôle virtuel qui se déroule dans un monde magique rempli de fantaisie. Dans ce monde fantastique, ils jouent des personnages qui vivent beaucoup d'aventures. À travers leur rencontre en ligne, ils jouent et aussi parlent de tout et de rien. Ils parlent de leur quotidien à l'école, de leurs soucis pendant la journée, de leur famille. Ils deviennent amis. Un jour, c'est la mère d'un des trois qui se connecte avec une terrible nouvelle qui entraîne une rencontre dans la vraie vie. Ce livre m'a beaucoup plu car l'histoire et le rythme de son déroulement sont réalistes. Malgré les événements inattendus, l'auteur décrit la vie des héros. Leur vie continue de façon plus ou moins normale. Les vacances scolaires, l'école, les réunions en famille, etc. Je pense que beaucoup de gens pourraient s'identifier à cette histoire. C'est quelque chose que l'on pourrait vivre dans le temps actuel, car beaucoup de gens ont des amitiés virtuelles. Les amitiés en ligne sont un sujet intéressant, car les amis virtuels se connaissent bien, mais ne connaissent pas tous les uns sur les autres. Ils ne connaissent que ce qu'ils partagent virtuellement. Je recommanderais ce livre aux lecteurs qui préfèrent des romans réalistes et qui décrivent les pensées et les sentiments des personnages. Ce livre est de 386 pages. Bonne lecture !